Déchéance du président. Les réactions d'Alain Nguyen Cise. L'ancien ministre Alain Nguyen Cise a réagi par rapport à la déchéance du président de la République et Radon Armampian. Selon lui, ce qui se passe actuellement n'est que le fruit du processus de réconciliation nationale organisé dernièrement au CCI Ivato. Écoutons ses explications. Nous, dans la situation actuelle, Madagascar est en train de s'acheminer vers une crise sans précédent. Je pense que le pays n'a jamais eu, même au temps des affaires béronnées, un empêchement, la situation n'était pas aussi compliquée. Actuellement, le pays est rentré dans une phase qui met la population malgache en danger par rapport à une possibilité de guerre civile, de confrontation directe et des rapports de force militaires et civiles. C'est pour cela que je lance personnellement un appel à tout un chacun pour prendre leurs responsabilités et être responsable vis-à-vis de la population malgache et de la nation. Et je pense que la communauté internationale est intégralement responsable de ce qui se passe actuellement, parce qu'à un moment donné, au moment de la signature de la feuille de route, nous avons déjà averti moi-même, qui a conçu la feuille de route, avait déjà averti la communauté internationale d'un danger d'une élection précipitée et non construite sur des bases solides. Alain Nguyen Cise estime que peu importe la décision de la Haute Cour constitutionnelle à ce sujet, le pays est à l'orée d'une autre crise majeure. Il conclut qu'en dépit de cette situation difficile, le président de la République a le devoir de prendre une décision.